Je suis arrivé à Georgetown, là sur le quai de l'église. Je sais pas si c'est parce que c'est dimanche, mais tout est fermé. C'est assez surprenant. Ça sent très mauvais dans la rue, c'est très sale. Je sais pas si. Enfin, I don't know, je ne sais pas où je suis. Je suis en plein milieu de Georgetown. Derrière, il y a le port. Derrière, vous avez le port cargo de transport. Là, il y a Clock Tower. Je vais faire un peu les alentours. Mon check-in, c'est pas avant 3 heures. Là, je suis parti à midi de la pointe nord de l'île. Là, c'est midi 40 et du coup j'ai 2 heures à tuer. Donc 2 heures, on va se promener un peu dans la ville, mais là je ne sais pas ce qui se passe. Tout est fermé. Il y a des panneaux for rent partout, partout, partout. Et en plus, vu qu'on est dimanche, j'allais dire ils sont à l'église, mais non, on est dans un pays musulman. Mais j'ai vu beaucoup de cafés, beaucoup de trucs close, close, close. Donc ouais, là, ça fait bizarre. On est un peu dans une ville déserte. Ben, vous voyez, je suis tout seul dans la rue, à part les voitures qui passent. Je suis le seul connard qui marche dans la rue. Ma foi, ah, il y a un peu des vélos là, qui font la course. Mais voilà, ouais, là pour l'instant, première impression un peu bizarre. Je sais pas. Vraiment très bizarre. Les rues. Mon hôtel est là, Royal Chulan. Alors attention, hein, c'est très très beau. C'est très très beau. L'architecture coloniale, c'est magnifique, vraiment. Mais alors, c'est un peu désert là. Allez, on va aller faire un tour, on va voir ce qui se passe dans cette ville. Derrière moi, c'est le fort de Cornwallis. C'est un fort qui date de la colonisation anglaise. Vous avez vu, il y a un grand phare aussi. Normalement, vous pouvez visiter. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause du coronavirus ou si c'est parce qu'on est dimanche, mais c'est fermé. Donc, je ne sais pas trop. Ouais, historiquement, ça doit être sympa. C'est un vieux fort. Colonial avec les canons et tout. Je sais pas si on voit derrière moi. Du coup, ouais, ça doit être à faire.
Mais alors vraiment, les rues sont vides. C'est The Walking Dead. Plage jetée et tout, c'est tout en travaux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont inaccessibles. Là, on est dans un petit parc devant la mairie, qui est juste à côté. Pareil, architecture coloniale, c'est magnifique. Et là, il y a un peu du monde. Les gens sont venus, ma foi. En fait, sur les places, il y a un peu de monde. Par contre, ça cogne dur. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a personne. Parce qu'entre midi et deux, peut-être que les gens ne sortent pas à cause du soleil. Là, j'ai mis ma casquette à l'envers pour protéger la nuque, parce que ma crème solaire est dans mon sac à l'hôtel. Mais là, je pense que je vais y avoir droit. D'abord, on se rafraîchit un peu. Ça fait du bien. Je suis en train de me prendre un coup de soleil de fou. Tout ça parce que le check-in est à 3h au lieu d'être à 2h comme partout. Donc là, c'est 2h-20. On va squatter un peu ici. Franchement, c'est magnifique. C'est un peu style Indus dépouillé colonial. C'est trop beau. On va rester un peu là. On va profiter.
vois, c'est officiel. J'ai un énorme coup de soleil, bras, épaules, nuque. Là, on va aller à un grand food court qui, en fait, est un. C'est un ancien parc d'attraction qui a coulé, qui n'a pas marché. Ils l'ont transformé en food court et boutique de souvenirs, tout ça. Et ça, c'est une des attractions du coin, donc on va y aller. Ça s'appelle New World Park, je crois. Donc, par contre, ce que j'ai peur, je ne sais pas si vous pouvez voir ou pas, mais les nuages sont très très gros au-dessus de moi. Et il y a quand même 2 km. Du coup, bon, au pire, on prendra un grab. Allez, on y va. Quoi dire, tout est fermé, c'est absolument vide, on dirait un mall fantôme comme à Bangkok. Ça fait peur. C'est censé fermer à 22h, il est 20h et ben voilà, regardez, hein, par vous-même. C'est un truc de fou. J'ai fait 2 km à pied, ben pour rien. Ouais, quand tu disais que ça a fait un flop, ça a vraiment fait un flop. Et en tant que food court, je pense que c'est un gros flop aussi, parce que oh, ah non, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je me disais aussi, c'est pas possible, c'est le plus gros food court de Penang et c'est ça. Eh non, c'était pas ça. Tu vas voir, Fra. Je te retourne la caméra. Là, il y a du monde. Ce qui est bien, c'est que au-dessus de chaque truc, vous avez la nourriture au-dessus de chaque gargote. Il y a les photos, il y a les prix, il y a tout ce qu'il faut. Donc, même sans parler quoi, c'est facile pour choisir à manger. Voilà, il y a même du western food. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Alors on a pris un riz frit et du poulet frit au poivre. On va goûter ça. Ah,
super bon. Le riz n'est pas sec. Il est bien frit. Le filet est un peu gras, mais on sent bien le poivre dans la panure. C'est vraiment délicieux. En fait, je devais rester ici jusqu'à la semaine prochaine, donc à Penang, en Malaisie. Mais en discutant un peu avec tout le monde et tout, et surtout en regardant les news, en fait, demain il y a une conférence de presse du gouvernement thaï, donc je pense qu'ils vont faire comme le Vietnam, ils vont totalement bloquer les arrivées, ou alors les restreindre un max. Et du coup, je me suis pris un billet vol direct pour retourner en Thaïlande. Déjà, sachant qu'il y a eu beaucoup de restrictions. Songkran annulé, boîte de nuit, bar, resto, couvre-feu, université fermée. Enfin, ça commence à être le confinement là aussi. À cause d'une connasse qui est rentrée du Japon, qui est allée en soirée, qui a intoxiqué 35 personnes d'un coup. Enfin, contaminé 35 personnes d'un coup. Du coup voilà, ils prennent des grosses restrictions. Donc j'avais plein de visites prévues là dans les jours qui suivent, que je voulais filmer, je voulais faire des belles vidéos, des plans au drone et tout. Et ben c'est mort. Et j'ai eu le nez creux parce que en fait en allant au comptoir de l'hôtel pour prévenir que j'allais check out tomorrow, ils m'ont dit, mais de toute façon, Malaisie ferme les frontières dans 5 jours. À partir de lundi, personne n'entre, personne ne sort. Donc, comme au Vietnam, seuls les passeports diplomatiques. Alors, est-ce que la femme, elle m'a dit des conneries ou pas? Mais en tout cas, elle m'a dit, oui, à cause du coronavirus, block out, plus personne rentre, plus personne sort à partir de lundi. Donc, si vous êtes en Malaisie, à partir de lundi, vous êtes confiné pour un mois en Malaisie. Vous ne pourrez plus sortir ou plus rentrer. Enfin, plus sortir de Malaisie, donc c'est ce qu'elle m'a expliqué au comptoir. Du coup, j'ai bien fait, je rentre demain à Bangkok. Dommage, Penang, c'était pas mal. Mais surtout, je suis deg, voilà, je vais rentrer en espérant que je me fasse pas rembarrer à la frontière demain. Mais je pense que toutes les frontières vont se cloisonner. Donc, c'est chaud. Je suis sur ce qu'on appelle ici jetty, je pense que ça veut dire jeté tout simplement. Il y en a pas mal, c'est un peu comme vous pouvez voir derrière, c'est des genres de bidonvilles sur pilotis. Ah, bidonville c'est un peu méchant, mais enfin voilà, c'est des maisons un peu construites comme ça, il y en a partout. Vous voyez, il y en a de tous les côtés. Et du coup, là, je suis venu pour voir le coucher de soleil. Sur ces fameuses jetées, c'est super connu, il y a beaucoup de monde. Enfin là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais en temps normal, il y a beaucoup de monde. C'est à faire. Bon, on va retourner à celle de Chu, parce que là-bas, il y a plein de street food, plein de trucs comme ça. Ici, ouais, c'est juste beau. Et là, mais là-bas, il y a vraiment à manger et tout. On fait un dernier soir dans Penang. On fait les jetties et après, demain, direction Bangkok. Thank you.
ma foi. Au revoir. Ouais. En fait, t'es chez les gens. Tu marches, t'es chez les gens. C'est un truc de fou. Bon, il y a plein de petits restos, il y a plein de petits street food et tout. Mais là, c'est mort. C'est mort. Je sais pas ce qui se passe, Pénang. Là, c'est mort de chez moi. Là, il y a un peu d'espace. Ma foi. Du coup, voilà. Comme tous les soirs, j'ai la ville pour moi tout seul. C'est une hécatombe, ce putain de coronavirus. Si c'est à cause de ça, hein, je sais pas. Je suppose. Je ne suis pas sûr du tout. Du coup, voilà. Penang by night. Il n'y a que moi. Bon, bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'aurais pu faire qu'une vidéo. Je sais pas encore par rapport au montage. Penang version complètement désert. Pourtant là, je suis sur l'artère principale. En plein milieu de Georgetown, c'est vraiment cataclysmique ce qui est en train de se passer. Donc écoutez, comme d'habitude, un like, un abonnement, et moi je continue à vous faire des vidéos. Voilà, bon, Chris, je me souviens quand tu es venu à Bangkok, tu m'as dit, putain, à Bangkok, la pauvreté, en Malaisie, il n'y a pas tout ça. Frère, ici, il n'y a que des clochards. C'est un truc de fou. Des pauvres papis, des pauvres mamies qui dorment dans la rue, qui grattent un billet. J'ai même vu des tapins devant les banques là-bas. C'est triste. Hein. C'est très très sale. Les égouts à ciel ouvert là, comme il y a là. Là encore, il y a des grilles pour là derrière moi. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est des égouts, c'est les égouts à ciel ouvert en fait. Et là encore, il y a des grilles pour protéger, mais toutes les autres rues, il n'y a pas de grilles. Ça fait que ça renacle un peu. Là, on va aller manger un bout et on va se rentrer à l'hôtel parce que demain, on rentre sur Bangkok, comme vous savez. Comme je vous ai dit, par rapport au coronavirus, j'ai peur que normalement demain, ils vont annoncer la fermeture des frontières ou en tout cas de grosses restrictions à l'entrée en Thaïlande. Donc j'ai pris un billet pour rentrer demain dans l'urgence. Je perds 3 nuits là, d'hôtel. Il y en a une qui est remboursée. Pour le reste, on verra. C'est pas trop grave. Ça fait 100 balles, mais bon. Plus 50 balles de billets d'avion pour le retour. Et enfin voilà, vous savez tout. Malaysia is reimposing a full lockdown on Kuala Lumpur and 5 states. Daily cases could rise to around 5,000 in months. Penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau. The eateries, the restaurants as well, they will operate for takeout service, strictly no dining allowed. That's a lot of adjustment for public. Apparemment, le lockdown, c'est du 18 au 31. Donc, ouais, j'ai bien fait de prendre mon billet pour demain. Parce qu'après-demain, c'est mort jusqu'au 31. Donc maintenant, à voir arriver en Thaïlande. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On va voir. Je vous tiens au jus, de toute façon. Alors, je suis à la porte d'embarquement. Pour l'instant, c'est un vol pour Singapour. Là, tous les vols pour Kuala Lumpur sont annulés. Mon vol, normalement, il tient toujours. Donc, je peux partir, je peux rentrer à Bangkok. Le lockdown ici, il démarre demain. Donc, j'avais finalement pas 5 jours. J'ai bien fait de prendre le vol parce que je croyais que ça, c'était à partir de lundi. Et en fait, le lockdown est à partir de demain. Ils ferment toutes les frontières comme le Vietnam. Donc, ni entrée ni sortie à partir de demain. Et du coup, j'ai un fion pas possible. Bon, ça m'a coûté 50 euros. Le vol
aller simple, full price, mais c'est pas grave. Au moins, je serai à Bangkok. Et après, une fois à Bangkok, je pense qu'ils vont faire ils vont annoncer le lockdown pour les jours qui suivent, là, peut-être aujourd'hui. Et du coup, de toute façon, il y a déjà beaucoup de gens qui sont bloqués en Thaïlande puisque tous les vols sont annulés vers l'Europe, vu qu'il y a le lockdown en Europe aussi. Et du coup, il y a des extensions de visa, tout ça exceptionnel. Donc, on va voir, je vais sûrement faire ça. On va aller voir l'ambassade et l'immigration dans un mois, fin avril, fin mi-avril du coup. Enfin voilà, tout ça pour dire, tout va bien. Pour l'instant, ça se passe bien. On va à Bangkok et on verra après, on avise. Allez, la bise, ciao ciao. Likez, abonnez-vous et partagez. Et moi, je vous fais le plus de vidéos voyage possible.